Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high-five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sous le panier, personne. Sur le parquet, personne. Prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Laisse-moi tranquille. On a une semaine pour faire tout ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est dormir. Moi, je vais faire du shopping. Je vais m'acheter trop de fringues. Et moi, je pense que je vais aller voir un ballet. Et toi, Rudy, tu vas faire quoi? Moi, je sais pas. Je pense que je vais continuer à m'entraîner sur mes combos de basket. On pourrait commencer par faire un méga barbecue pour lancer ses vacances. Vu l'heure, ça vous dirait pas de commencer plutôt par un petit déjeuner? Non! Barbecue, saucisses, grillades, brochettes, miam miam! Ouais, après tous les plats végétariens qu'on vient de manger en Inde, ça ferait du bien de la vraie viande. Allez, c'est parti! Ah, vous êtes réveillés? Ça tombe bien, je vais avoir besoin de vous. D'accord, mais pas tout de suite. On va faire un méga barbecue pour lancer les vacances. Youhou! Ce serait une excellente idée si vous aviez des vacances. Mmh. Faites pas la tête, je vous ai préparé un méga entraînement. Youhou! Vous aimez ça le basket, non? Ouais. On se retrouve dans 5 minutes sur le terrain. Je vais vous chercher un petit déjeuner. Je suis pas un monstre quand même. Oh, je comprends pas. On rentre tout juste du bout du monde. On a le décalage horaire dans les pattes. Pourquoi faut qu'on s'entraîne? On n'a pas de match pendant une semaine. Tu vas où? Sur le terrain, comme Tony l'a demandé. Alors Tony dit quelque chose, toi, tout de suite, tu le fais. Bah oui, c'est notre coach, et parce que jouer au basket, j'adore ça, pas vous? Pas ce matin. Faut dire à Tony qu'on refuse son entraînement. Si on dit à Tony qu'on fait grève, il va hurler. C'est sûr, oh. Il faut qu'on trouve autre chose. On n'a qu'à jouer comme des nuls. Quand il verra ça, il se sentira obligé de nous donner des vacances. Allez les high five. Faut pas traîner comme ça. Prenez votre petit déjeuner, ça va vous rebooster. Quoi, des pommes? Je vous ai concocté un entraînement de grande classe. Salut les high five. J'ai invité les cowboys. Wyatt, salut vieux frère. Morgan, ça va mon pote? Hey Doc, la terreur de l'Ouest! Calamity Jane! Génial! On ira faire du shopping ensemble! C'est une super bonne idée que t'as eu Tony de nous faire venir. Ça fait plaisir de retrouver les High Five. Pour commencer, vous allez faire un match. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on a dit. Ouais, mais c'est pas très sympa pour les cowboys, non? Ils ont pas fait tout ce chemin-là pour rien. Je crois que là, on n'a pas le choix. Ouais, c'est vrai. On fait comme on a dit. C'est les vacances ou pas? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il attend qu'on lui prenne la balle? Non, ça doit être une stratégie secrète. J'en ai marre, j'y vais.
Temps mort! Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème, les High Five? Vous n'avez plus envie de jouer? J'ai fait venir les Cowboys exprès à San Antonio pour affiner votre préparation. Ça ne vous fait pas plaisir? C'est pas ça, mais on veut nos vacances. Quelles vacances? On a une semaine sans match. On voudrait se changer les idées, pas s'entraîner. Vous auriez pu m'en parler au lieu de vous livrer à cette mascarade. J'ai parlé du barbecue pour lancer les vacances, mais t'as dit qu'il n'y avait pas de vacances. Et vous croyez qu'en jouant mal, j'aurais envie de vous en donner? Tony, on est épuisés. Ah oui, épuisés. Bien, vous allez pouvoir vous reposer maintenant. Je vous laisse tranquille. Yes! On a ce qu'on voulait! On a nos vacances! Ouais, peut-être, mais il a pas l'air très content, Tony. Sans Tony, pas de basket. Il nous abandonne et vous êtes fiers de vous? Il nous abandonne pas, il nous laisse tranquille. Enfin, là, il est vraiment parti. Moi, j'ai joué, Tony. Désolé, Rudy, mais un capitaine reste avec son équipe. Il ne quitte pas le navire quand il coule. Mais j'étais pas d'accord avec la grève. C'était une grève, alors? Si vous ne voulez plus jouer, moi, je démissionne. Tony peut pas nous laisser tomber comme des vieilles chaussettes, c'est du bluff. Je suis pas sûre, petit frère. T'as bien vu qu'il était fâché. C'est de ta faute. T'étais obligé de dire qu'on faisait une grève. Bon, en tout cas, moi je vais chercher Tony. Qui vient? Moi. Mais vous ne pouvez pas partir. Ben si, la preuve. Faut juste qu'on sache où il est allé. Hé, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Tony? On jette un coup d'œil à son agenda. Mais c'est privé. Il va se fâcher quand il le saura. Peu importe, il a déjà démissionné de toute façon. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Et voilà. Aujourd'hui, il a rendez-vous au stadium. Parfait. On n'a qu'à prendre le bus 83. Non. Pourquoi Rudy et Stella ne sont pas là? Ouais, ils sont où? On les retrouvera plus tard, ils ont pas pu se libérer. Et arrêtez de jouer au basket avec tout ce que vous trouvez. On peut pas rester là toute la journée. On dirait bien que si. Tant pis, je tente des codes au hasard. Ah, bon sang, c'est pas vrai! Si seulement on pouvait appeler Tony et lui demander le code. On n'a peut-être pas besoin de Tony. Je crois que je peux accéder au compte de Tony via le site de la société de sécurité. T'as pas besoin d'un mot de passe? Je t'en prie, il en faut plus pour m'arrêter. Oh, comment ça, mot de passe invalide? T'as qu'à essayer son prénom. Essaye son record de points. Peut-être sa pointure. Et si t'essayais son signe astrologique? Son niveau d'études? On a dit pas de basket.
123,45, s'il vous plaît. Mike, paye les courses. J'ai pas d'argent, moi. Moi non plus. Essaye sa date de naissance. On a déjà essayé, à quoi bon? On a tout essayé. Non, pas tout. Hein? Quoi? Génial! Qu'est-ce que t'as écrit? Facile, high five. Reste plus qu'à taper le code. Trop fort, bien joué Rudy. Après toi. Où t'as trouvé ces vélos? Au fin fond du garage de Tony. Ça doit faire des années qu'ils étaient là. Wow! Oh non, mes freins ne marchent pas. Oh, oh, les miens non plus. Les miens. Tu crois pas que Tony va trouver ça bizarre qu'on soit que tous les deux? T'inquiète pas, j'y ai pensé. On va lui faire un cadeau. Ça devrait le convaincre. Quel genre de cadeau? Des fleurs? Mais c'est pour les filles. C'est l'intention qui compte. J'adore l'odeur des roses. Tiens, sens comme ça sent bon. Tu parles de vacances? Pas de barbecue. Pas de vélo. Pas de basket. On peut toujours nourrir les pigeons. La Tipeee mobile est ici. Tony est bien là. Bonjour. On voudrait parler à Tony Parker. C'est beau de rêver. On est les High Five. Enchanté. Moi, c'est Patrick. Vous avez un badge? Pas de badge, pas de passage. S'il vous plaît, on a des informations de première importance à transmettre à Tony. Ça suffit. Vous me faites perdre mon temps. Mais vous faites rien, là! Mon petit bonhomme, vous ne voyez que l'écume des choses. Je ne bouge pas, c'est vrai. Mais je pense beaucoup. Et si je vous offre une fleur, vous nous laissez rentrer? J'aime pas les fleurs. Mais ça va pas? C'est pour Tony Parker, ces fleurs! Fichez le camp! Laisse tomber. J'ai une idée. C'est fini, je mangerai plus jamais de poisson. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour retrouver son coach? Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie! Ensemble, on n'a pas envie de faire la même chose, mais séparés, on s'ennuie. Il y a qu'une chose qui nous unit, c'est le basket. Et si on retournait à la Casa Parker? Là-bas, on pourra jouer sur le terrain. Ouais. Oh, ça me changera les idées. Tous ces soucis m'ont donné mal à l'estomac. D'accord pour rentrer à la casa, mais pas pour jouer au basket. C'est les vacances, compris? Mon ballon! Mike, attrape! Mia, à toi! Une petite passe. Oh, merci, madame. Bon, on rentre. Bravo les Cowboys. À ce que je vois, vous avez toujours un style de jeu efficace. Merci Tony. J'ai une proposition honnête à te faire. Cody, notre coach, a pris sa retraite. Et comme toi, t'as plus d'équipe, est-ce que t'accepterais d'être le nôtre? Oh, non Tony! Tu peux pas accepter! Rudy, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de rester avec les autres. Je suis là moi. Tony, tu peux pas nous abandonner après tout ce qu'on a vécu. On a des liens forts les High Five, c'est vrai. Mais la question c'est... est-ce que vous avez le niveau? Est-ce que je ne perds pas mon temps avec vous? On n'a qu'à faire un match en trois paniers à deux contre un. Stella et moi contre toi. Si on gagne, peut-être que tu nous trouveras dignes de toi. C'est osé comme proposition, Rudy. T'es d'accord, Stella? On t'a apporté des fleurs pour te demander pardon. Oh. Non, pourquoi ils sont le poisson, ce bouquet?
Bravo, vous m'avez prouvé que vous avez le niveau. Alors, c'est bon? Tu reviens? Tu restes notre coach? Une minute. Tony, tu veux coacher la meilleure équipe qui soit, non? Mm-hmm. Voici un nouveau deal. Les Cowboys refont le match contre les High Five. Si les High Five gagnent, tu restes leur coach. S'ils perdent, tu deviens le nôtre. Ok, très bien, j'accepte. Oh! Pour ce match, je ne vous donnerai aucun conseil. Tant que vous n'avez pas gagné, je ne suis plus votre coach. On a réussi à faire changer d'avis, Tony. Wouhou! Trop cool! Tony revient alors? Oui, mais il faut d'abord battre les Cowboys. C'est pire que l'apocalypse. C'est du bluff pour nous faire marcher. Moi, je préfère nager. Ouais, mais si c'est vrai, on perd notre coach. Et les High Five, c'est fini. C'est du bluff, je vous dis. Les Cowboys, je ne vous donnerai pas de conseils non plus. On est là, Tony. Léo n'est pas là? Impossible de le faire sortir de la piscine. Alors vous allez devoir faire le match à 4 contre 5. C'est pas un problème. Bien joué, Mia! Tiens, Léo! Merci, Mike. T'inquiète pas, c'est pas grave. On se laisse pas distancer, ok? Hey, les Cowboys, je crois qu'on est bien partis pour avoir un nouveau coach. Oh, Léo manque vraiment à notre équipe. On est tous perturbés de jouer à 4, mais on a que 2 points de retard. Alors on se concentre à fond et on peut les battre, ok? Mm-hmm. Trop cool que tu sois là! Tu viens? Je suis là en simple observateur. La grève n'empêche pas d'assister à un match de basket. Tu viens pour nous narguer, c'est ça? On n'a pas de temps ni d'énergie à perdre. On doit se battre pour le match. Les Cowboys mènent par 44 à 22. Il faut quelqu'un sur Wyatt, c'est lui qui fait tout le jeu. Mais bon sang, fallait passer à Mike, il était complètement démarqué. T'es toujours en grève, t'es sûr? Je peux pas les laisser comme ça, il leur manque leur pièce maîtresse. Vous voulez bien de moi dans l'équipe? À fond. Alors c'est parti. High five. Toujours en dos. Sur un plateau. Égalité. Plus que 5 secondes. Tu me lances. Les High Five gagnent par 65 à 62. Ouais! High Five, toujours au top! Félicitations. Vous méritez que Tony reste votre coach.
Les High Five, je vous félicite. Vous étiez vraiment fatigué sur ce match et vous avez quand même gagné. Bravo. Ah, tu reconnais qu'on était crevés, quand même. Oui, et pour vous prouver que je ne suis pas un monstre, à partir de maintenant, vacances pour tous. Ouais. Pourquoi t'as pas voulu nous donner des vacances avant? Et pourquoi tu nous en donnes maintenant? À mon sens, vous n'étiez pas prêt pour le match suivant. Mais grâce au match d'aujourd'hui, vous m'avez prouvé que vous aviez le niveau. Sérieusement? T'allais pas arrêter de nous coacher? Pour connaître la vérité, il faudrait savoir lire dans les saucisses. Dans les saucisses? Quelles saucisses? Oh, celles qu'on va manger au barbecue. Ouais.